Salam alaikum. Ici, nous allons commencer à traiter cet exercice-là, cet extrait du concours national commun pour la filière DMP, épreuve de maths 2. Donc, ça, c'est un extrait, comme j'avais déjà mentionné, qu'il est abordable absolument par les élèves de la première année, toutes filières comprises, que ce soit la MPSI, la PCSI. Alors, ici, j'ai résumé les données. J'ai A, que c'est une matrice qu'on voyait. Carré d'ordre 3. V, c'est l'endomorphisme de R3 canoniquement associé à A. Ça veut dire la matrice de V dont la base canonique de R3 est égale à A. Alors, le polynôme xi A de X, c'est quoi? C'est ça ce qui est demandé. Xi A de X, c'est déterminant par définition de xi moins A. Vous allez voir qu'en deuxième année, ceci, ça va s'appeler le polynôme caractéristique de A. D'accord. Donc, c'est quoi déterminant de xi moins a? Alors, x fois l'identité moins a. Donc, dans la diagonale, il y aura quoi? Il y aura x moins 3. L'autre coefficient diagonale, il y aura x moins 1. Et le dernier coefficient diagonale, il y aura x moins 2. D'accord. Ici, moins a, donc ici, il y aura moins 1. 1 moins 1. D'accord. Et puis, ici, il y aura moins 1, moins 2, 0. Très bien. On a demandé de calculer ce polynôme-là. Alors, nous allons le calculer. Vous pouvez développer suivant la première colonne, la première ligne. Puisque c'est un déterminant d'ordre 3, vous pouvez utiliser la méthode de Sarrus. Par exemple, utilisons cette méthode de Sarrus. Donc, ça va vous donner quoi? Ça va vous donner x moins 3 fois x moins 1 fois x moins 2. Plus moins 1 fois moins 1 fois moins 2. Plus 1 fois moins 1 fois 0. Puis moins ça fois ça fois ça. Moins ça fois ça fois x moins 3 moins x moins 2 fois moins 1 fois moins 1. Donc c'est ce que je vais écrire. Plus moins 1 fois moins 1 fois moins 2, ça veut dire plus 1 fois moins 2, ça veut dire c'est moins 2. D'accord. Plus 1 fois moins 1 fois 0, c'est plus 0, donc ça, rien ne va se passer. Hein. Et puis, je passerai à moins. Moins quoi? Moins, entre crochets, ça fois ça fois ça, ça veut dire moins 2, facteur 2, x moins 1. J'ai mis moins entre parenthèses. Hein. Donc, puis, plus 0 fois moins 1 fois x moins 3, c'est 0. Et enfin, x moins 2 fois moins 1 fois moins 1. Moins 1 moins 1, c'est 1. Avec x moins 2, ça va vous donner plus x moins 2. Et je ferme les crochets. C'est ça. Alors, et puis, je vais enlever les crochets si vous voulez. Ici, c'est écoutez, maintenant, on a demandé dans la première question de calculer ce polynôme-là. C'est ça votre polynôme. Vous pouvez absolument développer ça fois ça fois ça, puis regrouper tout. Vous allez trouver vers la fin égale à x puissance 3 plus 1 jusqu'à coefficient constant. Vous pouvez le faire. Hein. Seulement, toujours pour ce polynôme-là, ce que vous allez voir toujours en deuxième année, on aura besoin de ses racines. De ses racines. Ils vont porter un nom, ils vont s'appeler les valeurs propres de la matrice A, mais pour le moment, on a besoin de ses racines. Alors, pour avoir ses racines, écoutez, qu'est-ce que vous allez faire pour avoir ses racines? Pour avoir les racines, ça c'est un polynôme de degré 3, donc j'ai besoin de le factoriser. De le factoriser, comme ça je vais tirer ses racines. Si c'était un polynôme d'ordre 2, de degré 2,
pour la factorisation ou pour les racines ne pose pas de problème, vous allez utiliser delta, etc. Mais le discriminant delta. Mais ça, c'est un polynôme d'ordre 3. Alors, à retenir, pour factoriser un polynôme de degré 3, qu'est-ce que nous allons faire? Une méthode qui marche toujours, et surtout vous en aurez besoin en deuxième année. J'ai un polynôme de degré 3, je veux le factoriser. Retenez bien, s'il vous plaît. Comme ça, vous n'aurez jamais de problème pour polynôme caractéristique et la détermination de ses racines. Pour le factoriser, je suis avec un polynôme de degré 3. Le premier pas, c'est de trouver une racine de ce polynôme, une racine facile ou bien évidente. Une racine évidente de ce polynôme. Et dites-moi, c'est quoi cette racine? Ralentissez, s'il vous plaît. Voici, je vais vous résumer la situation. Supposons que j'ai trouvé la racine, une racine évidente, c'est 1. Qu'est-ce que vous allez faire pour factoriser ce polynôme? Vous allez, d'une manière générale, vous allez l'écrire. Imaginez que j'ai un polynôme qui est x puissance 3 plus, etc. Je veux le factoriser. Mais j'ai trouvé 1, une racine. C'est quoi le réflexe à quoi vous allez penser? Pour les polynômes, la division euclidienne de ce polynôme par x moins cette racine-là qui est 1. Donc vous pouvez factoriser ça égal à x moins 1 fois quelque chose. Le polynôme que vous allez avoir ici, vous avez déjà vu ces petits réflexes au lycée et vous les avez encore vus dernièrement pour les polynômes. Donc si vous avez ce x puissance 3, etc., vous pouvez faire la division euclidienne par x moins 1. Vous allez trouver quoi ici? Par exemple, ça c'est une manière de faire. Hein. Vous allez trouver un x carré, etc. Ce qui fait ici, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura un polynôme de degré 2. X carré, etc. L'essentiel pour la question, on a demandé on aura besoin des racines de ce polynôme. Quelles sont les racines? Ce sont les racines de ce polynôme-là. Ici, il y a déjà le 1. J'ai besoin des racines dans ce polynôme-là qui est de degré 2. Mais quel est un polynôme de degré 2? Comment je vais trouver ces racines? Avec le discriminant delta. B carré moins 4, AC, etc. Et c'est fini. Donc je résume, ça c'est ultra important s'il vous plaît. Surtout pour la deuxième année. Il faut vous calculer votre polynôme de degré 3. Vous voulez ces racines, toutes ces racines. Ce que fait, vous avez besoin de factoriser. Le premier pas à retenir, je vais mettre un petit point d'exclamation mentionnant que c'est intéressant. Cherchez une racine évidente. Vous allez chercher une racine évidente. Comment? Je vais m'expliquer ici comment. Supposons que j'ai trouvé 1. Je vais factoriser par x moins 1. Je vais trouver ça, le polynôme ici. Ça, je le résous avec delta. Si vous voulez, je vais trouver ces racines avec delta. Et c'est terminé, j'ai trouvé toutes les racines. Et la première question est terminée. Seulement maintenant, je vais vous demander pour une racine évidente. Une racine évidente, vous avez votre polynôme. Je vais vous dire pour les racines évidentes. Hein, je vais ouvrir une petite parenthèse pour les racines évidentes. Alors, vous n'avez qu'à remplacer x par... Seulement quand je dis racine évidente, regardez, ça tourne autour de S0, 1 au moins 1, 2 au moins 2. Rarement 3 au moins 3. Mais en général, ça marche avec 0, 1 au moins 1, 2 au moins 2. En général, ça marche comme ça. Vous allez tester ça, surtout rappelez-vous de ce que je suis en train de dire quand vous allez passer en deuxième année. Bon, voilà. Donc vous allez tester, est-ce que 0 c'est une racine? Est-ce que 0 c'est une racine? Est-ce que 1 est une racine? Ça veut dire remplacer x par 0. Ça va vous donner quoi? Remplacer x par 1. Est-ce que ça va vous donner 0? Remplacer x par moins 1, est-ce que ça va vous donner 0? Remplacer x par 2, est-ce que ça va vous donner 0? Remplacer x par moins 2, est-ce que ça va vous donner 0? Si vous le faites, je ne veux pas, parce que je sais que tout le monde, si je vous donne à remplacer x par 1, par moins 1, tout le monde sait remplacer et trouver, sait faire des calculs, il va trouver est-ce que c'est 0 ou pas. Seulement, vous allez trouver que
pour deux, c'est OK. Pour deux. Donc, je ne vais pas perdre du temps pour cette vidéo-là en faisant des calculs en remplaçant x par a, etc. X moins a, etc. Donc, vous allez trouver que cette racine évidente est 2. D'ailleurs, quand vous allez passer à 2, donc ce terme-là, ça va sauter. Ce terme-là, ça va sauter. Remplacer x par 2. 2 moins 1, c'est 1. Vous allez avoir ici 2. 2 moins 2, c'est 0. De toute façon, 2 est une racine évidente. Ce qui fait mon polynôme, je peux le factoriser. Hein. Si a de x, ce polynôme-là, je peux le factoriser par x moins 2. X moins 2 facteur de quelque chose. Seulement, ici, je n'ai pas besoin de le développer et de faire la division euclidienne parce que je vois avec vous qu'il y a déjà x moins 2 ici et x moins 2 ici. Et moi, je suis sûr que ça va être factorisé par x moins 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Xi a de x égale à... Laissons ça avec son x moins 2. D'accord? Et prenons ce terme-là avec son x moins 2 parce que nous voulons... Parce que nous savons que ça, on en aura besoin. On aura à factoriser par x moins 2. Ça va rester quoi ici? Ça va rester, si vous développez, ça va vous rester ce terme-là. C'est quoi ça? 2x. 2x moins 2. C'est ça? Moins 2, ça veut dire 2x moins 4. Ça marche? Nous, on a dit que certainement, on aura à factoriser par x égale à 2. Par x moins 2. X moins 2, il est ici. On a besoin de le faire apparaître ici. C'est clair ici, si vous allez factoriser par 2. Donc, ça sera 2 facteurs de x moins 2. Ça, c'est 2 facteurs de x moins 2. Et puis, du coup, vous allez avoir x moins 2, x moins 2, x moins 2. Donc, ça sera quoi ici? Ça sera x moins 2 facteur de... Ce qui va rester ici, c'est x moins 3 facteur de x moins 1. Ici, c'est moins 1. Et ici, c'est plus 2. D'accord. Donc, attendez, ça c'est x moins 2. Facteur, ça c'est le facteur de x moins 2. Alors, ça sera x moins 2 facteur de quoi? Si vous voyez ici. Développons ça, ça va vous donner rapidement, ça va vous donner x carré moins 3x. Moins 3x moins x, ça veut dire moins 4x. Moins, c'est plus, donc c'est plus 3. Plus 3, moins 1, plus 2. Ça va? 3 moins 1, c'est 2. 2 plus 2, c'est 4. Donc, ça va vous donner plus 4. Donc, je mettrai ici x carré moins 4x plus 4. Je rappelle qu'on a demandé dans la question de déduire les racines. Nous sommes en train de déduire les racines. Donc, vous pouvez absolument enlever le i. Donc, normalement, le calcul des polynômes caractéristiques, c'est ça, ou c'est ça, ou ça. Ou on va encore pousser et on va tirer. On a demandé de montrer qu'il y a une unique racine. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour factoriser encore ça? Vous avez reconnu une identité remarquable, n'est-ce pas? Ça, c'est x moins 2 le tout au carré. Donc, vous allez voir que x a de x, c'est a de x égale à x moins 2. Ici, c'est x moins 2 au carré. Donc, ça va vous donner x moins 2 à la puissance 3. Et c'est quoi l'unique racine? Xi a de x possède une unique racine qui est... On a mis, je suis en train de voir l'énoncé ici. On a dit, montrer qu'il possède une unique racine lambda à préciser. Donc, je vais noter la notation lambda qui est égale à 2. Fin pour la première question. On passe maintenant à la question 2. On a demandé de le quart de V moins lambda. L'identité lambda, on vient de trouver que c'était 2. Alors, c'est quoi ce quart de V moins de l'identité? Avant que je démarre, je mentionne juste que, entre parenthèses, ce sous-espace-là, en deuxième année, ça va s'appeler le sous-espace propre associé
à la valeur propre lambda, bien sûr, le sujet propre de V associé à la valeur propre lambda. Alors, soit x, y, z appartenant à l'espace qui est ici R3, on a x, y, z appartient à Kerr. Kerr de V moins lambda, l'identité. Équivaut à quoi par définition? Équivaut à V moins lambda, on a dit que c'est 2, moins 2 l'identité de x, y, z égale à triplé 0, 0. Ça marche? Et ceci, c'est équivaut à... je ne vais pas le laisser comme ça, je vais passer matriciellement la matrice de V moins de l'identité fois la matrice de x, y, z égale la matrice de 0, 0. Ça va? Matrice de ceci, c'est 0, 0. Matrice du triplé x, y, z, toujours bien sûr la matrice dans la base canonique. C'est x, y, z. Et la matrice de V moins de l'identité, c'est matrice de V qui est A moins 2 fois la matrice de l'identité qui est I indice 3. OK? Donc ceci, c'est équivaut à A moins 2 l'identité. A de l'identité, c'est 2, 2, 2, en dehors c'est 0. Donc A moins 2 l'identité, qu'est-ce qu'il y aura dans la diagonale? Il y aura 3 moins 2, 1 moins 2, 2 moins 2. 3 moins 2, c'est 1. 1 moins 2, c'est moins 1. 2 moins 2, c'est 0. En dehors, ça va rester inchangé. 1, moins 1, 1, 1, 2, 0. Toujours même chose ici, égale à 0, 0, 0. Alors ici, ceci équivaut à quoi? Je vais le trouver avec un système. Hein. C'était répété, l'idée est répétée plusieurs fois dans d'autres exos, etc. Alors, première ligne avec cette colonne-là, ça sera x plus y moins z égale à 0. X plus y moins z égale à 0. Et puis ici, x moins y plus z égale à 0. X moins y plus z égale à 0. Et puis, s'il y aura 2x plus 0 égale à 0. Ça veut dire que 2x égale à 0. Alors, maintenant, on veut, il s'agit juste de résoudre ce petit système-là. Alors, pour le résoudre, je sais que les élèves ils recourent à la méthode de Gauss, mais ce que je note toujours, c'est que la plupart des élèves n'utilisent pas Gauss quand il s'agit d'un système facile. Ça, c'est un système facile, nous avons x égale à 0. Donc, vous n'avez même pas besoin de Gauss. Hein. X égale à 0, voilà. Et si vous remplacez ici, dans cette ligne-là, x par 0 ici, ça va rester quoi? Moins y plus z égale à 0. Moins y plus z égale à 0. Ça veut dire que y égale à z, oui, c'est ça. Et si vous remplacez encore ici x par 0, ça va rester quoi? Y moins z égale à 0. Y moins z égale à 0. Ça veut dire que y égale à z. C'est ce que nous avons encore ici. Hein. Oubliez ça. Bon, ceci équivaut à quoi? Nous voulons x, y, z. Hein. Regardez, je vous rappelle l'objectif, c'est que nous voulions le Kerr de V moins de l'identité, ou le Kerr de V moins lambda l'identité, ça veut dire ça. Nous voulons avoir vers la fin ça égale à quoi? Nous avons ce vecteur appartient, équivaut, j'espère que équivaut, x, y, z, appartient à, et je dois le trouver sous forme de vecteur. Quoi ici? Hein? Ainsi, si j'arrive à cette situation, je vais dire depuis le début, x, y, z appartient, Kerr équivaut x, y, z appartient à vecteur. Donc le Kerr qui nous était demandé égale à ce vecteur. Et c'est fini. D'accord? Donc on a besoin de dire que x égale à z appartient à vecteur. Alors ici nous allons exploiter le fait que x égale à 0, y égale à z. Donc x égale à 0, y égale à, si vous voulez, je vais laisser le z d'une couleur différente. Alors x égale à 0, voilà, y égale à z. Je vais donc laisser tout en fonction de z. Et le z, c'est z. J'ai donc voulu laisser en fonction de z. Pourquoi? Pour réécrire la même chose en faisant sortir le z à l'extérieur.
égale à z fois quoi? 0, 1, 1. Regardez maintenant x, y, z égale à 1 scalaire fois le vecteur. Ça veut dire que x, y, z appartient avec de quoi? Avec de ce triplet-là. C'est fini. Regardez. Appartient x, y, z appartient à quart, équivaut x, y, z appartient à vecteur. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Donc, le quart de V moins lambda l'identité, si vous voulez, lambda C2, égale à quoi en conclusion? Égale à ce vecteur-là. Fin de la question. Voilà. Maintenant, on a posé dans, dans la suite que U égale à V moins 2 l'identité. Nous avons un nouveau endomorphisme U de R3. On a demandé de montrer que U puissance 3 égale à 0. Alors, il s'agit de montrer quoi? Il s'agit de montrer que U puissance 3, ça veut dire V moins 2, l'identité à la puissance 3 égale à l'endomorphisme nul. Bien sûr, ici, qu'est-ce que je vais faire? Le V, sa matrice de V, la matrice de V dans la base canonique, c'est A. Donc, je vais parler matriciellement, c'est-à-dire que, ça veut dire qu'il s'agit de montrer que, A moins 2 I indice 3, le tout puissance 3 égale à 0. Ça veut dire la matrice nulle. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout le monde sait faire des calculs. Vous allez prendre A moins 2 l'identité. Voici votre A. A moins 2 l'identité, c'est quoi? Ça sera... oui, ici, c'est 3 moins 2, ça sera 1. 1 moins 1, 1. 1 moins 2, c'est moins 1, 1. 2, 0. 2 moins 2, c'est 0. C'est ça, A moins 2i. Je vais prendre son carré. A moins 2i au carré égale à cette matrice-là, copier-coller, fois elle-même. Faites vos calculs, vous allez trouver égale à une matrice-là que vous allez remplir. Et puis, A moins 2i puissance 3, ça sera quoi? C'est A moins 2i au carré fois A moins 2i. A moins 2i au carré, le voici, hein? On vient de le calculer. Tout le monde sait faire des calculs. Vous allez le placer ici. Et A moins 2i, vous allez prendre le A moins 2i, 1, 1, moins 1, etc. Ici, placez-le. Faites votre produit. Vous allez certainement trouver que ce sera la matrice nulle. Donc, ça, c'est une question facile, j'estime. On a montré donc que U puissance 3 égale à 0. Je passerai à la question 4 qui dit que déterminer le noyau de l'endomorphisme U carré. Donc la question 4, on veut le noyau de U carré. Ça veut dire nous voulons qu'R de U carré, c'est quoi? Ok? Voilà. Alors, je vais faire tout comme ce que quand j'avais demandé qu'R de V moins 2i dans la dernière question. Donc vous allez avoir x, y, z appartient à qu'R de U carré équivaut à quoi? U carré de x, y, z égale à 0, 0, 0. Nous sommes dans R3. D'accord. Le U, c'est quoi le U? C'est V moins de l'identité. D'accord. Donc, équivaut V moins de l'identité de R3. Le tout de x, y, z égale à 0, 0, 0. Je ne vais pas je vais pas rester comme ça avec des endomorphismes. On va encore passer matriciellement. D'accord? Je vais passer matriciellement. Alors, la matrice de ça fois la matrice de x, y, z égale la matrice de 0, 0, 0. Là encore, je vais avoir x, y, z. C'est la matrice du triplé x, y, z. La matrice de 0, 0, ça sera la colonne 0, 0, 0. Et la matrice de V moins de l'identité, ici j'ai oublié un carré, oui, un carré. Donc, matrice de V moins de, au carré, ça sera la matrice de V moins de la matrice identité, le tout au carré. Le tout au carré. Ok? Le tout au carré. Mais ici, j'aurai quoi à l'intérieur? Matrice de V. Mais matrice de V dans la base canonique, vous voyez que c'est A. Vous allez avoir ici A moins 2, la matrice identité,
au carré. D'accord ? Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais calculer tout simplement la matrice A moins 2, l'identité au carré. J'estime que cette question est, tout le monde sait faire des calculs des produits matriciels. Je vais tout simplement vous donner exactement la matrice que vous allez trouver après calcul 1. Et je vous recommande même dans votre copie, ce n'est pas la peine de passer à des calculs élémentaires. Juste écrivez directement la matrice A-2i au carré, ça va vous donner quoi. Alors, j'avais déjà fait les calculs, je vais vous donner A-2i au carré, ça sera... Moi, je parle de A, le A, il est ici, moins 2i, et vous faites le carré de la matrice. Ça va vous donner la matrice 0, 0, 0, 2, 2, moins 2, 2, 2, moins 2. D'accord ? Allez-y, je poursuis. Donc, ceci, c'est équivaut à quoi ? Équivaut... si je fais maintenant, je vais encore me trouver avec un petit système. Regardez, 0, 0, x, y, z, donc ça va vous donner 0, 0, 0 égale à 0, donc 0 égale à 0, donc c'est sans intérêt, je vais l'ignorer après. Ici, vous allez avoir quoi ? 2x plus 2y moins 2z égale à 0. 2x plus 2y moins 2z égale à 0. De même ici, ça, avec ça, ça va vous donner 2x plus 2y moins 2z égale à 0. D'accord ? Ceci, c'est équivaut à quoi ? Vous voyez que 0 égale à 0, je vais l'ignorer. Cette équation, c'est la même que celle-ci. Je peux même me débarrasser de 2. Ça va rester quoi ? X plus y moins z égale à 0. Ça marche ? Très bien, très bien. Alors, je vous dis, tout comme j'avais fait dans la question précédente, et ça se passe toujours comme ça, on a demandé R de U carré, n'est-ce pas? On a ce vecteur à partir de R de U carré équivaut vers la fin, j'espère, arriver à X, Y, Z à partir avec de quelque chose. X, Y, Z à partir avec de quelque chose. Comme ça, je vais avoir le R de U carré qu'on nous a demandé égal à ce vecteur. Ok? Donc, tout simplement, ce que je vais faire ici, c'est que ceci équivaut à quoi? Je vais écrire, par exemple, X égale. Et je vais déplacer Y et Z de l'autre côté. Ou bien, je fais pour Y égale. Ou z égale. Moi, je vais faire avec x égale. X égale à quoi? Si je déplace le y de l'autre côté, il y aura quoi? Il y aura moins y plus z. D'accord? Très bien. Qu'est-ce que je ferai par la suite? Je rappelle que nous sommes en train de viser vect. Donc, ceci équivaut. Je reprends mon couple, ou plutôt mon triplet, x, y, z. Et je vais écrire en fonction du y et de z. Donc, ça va me donner quoi? Regardez, x égale à moins y plus z. Très bien, x égale à, je remplace le x par moins y plus z, ici. Très bien, virgule. Le y, je vais laisser y. Y, c'est y. Z, c'est z. Ok? Très bien. Je rappelle, je vise vect. Ce qui fait, je vise, j'espère que x, y, z soit égal à quelque chose fois un triplé plus quelque chose fois un triplé, etc. Ça veut dire combinaison linéaire. Comme ça, je vais dire que x, y, z appartient à vecteur de quoi? Ce vecteur, je vais le mettre ici. Ce vecteur, je vais le mettre ici, etc. D'accord? C'est ça ce que nous visons. Bon, si vous regardez ici, je vais prendre le y d'une couleur différente pour mieux éclaircir. Donc, je vais mettre y fois quoi? Plus le z fois quoi? J'ai dit, je vise une combinaison linéaire de x, y, z. Alors, si je fais sortir le y ici, regardez le noir noir. Si le y sort, ça va vous rester quoi? Quel triplet? Ici, pour y, ça sera moins 1. Ici, 1. Ici, il n'y a rien, ça veut dire 0. Et puis, si je vais faire sortir le z, il y aura quoi? Le premier, ça sera 1. Le deuxième, il n'y a pas de z, donc c'est un 0. Et le troisième, c'est un 1. D'accord? Donc, je me suis dans cette situation-là. Ok? Donc, x, y, z égale à y fois plus z fois. Du coup, x, y, z, je passe directement à cette étape-là. Donc, x, y, z, c'est combinaison linéaire de ce vecteur et de celui-ci. Donc, ça va être à partir avec 2
moins 1, 1, 0, le premier, et puis le deuxième c'est 1, 0, 1. Et c'est fini. J'arrête ici, j'ai bien R de U carré. Donc en conclusion, si vous regardez le début et la fin, le début c'était X, Y, Z appartient à R de U carré, la fin équivaut X, Y, Z appartient à vec de ce que vous voyez là. Donc le R de U carré égale à vec de, et je copie-colle, 1, 0, 1. C'est ça ce qui est demandé pour le noyau de l'endomorphisme U carré. Bon, qu'est-ce qu'on a demandé dans la question, je suis en train de voir l'énoncé ici. On a dit de vérifier que E1 n'appartient pas à R de U carré. Bon, alors, la question d'après, si vous voulez, je vais noter... bon, je vais rien, donc j'écris directement. La question, on a demandé de E1 n'appartient pas à R de U carré. C'est ce qui est demandé, hein. Ça, on veut le justifier. Ok ? Très bien, très bien. Comment va-t-on montrer que E1 n'appartient pas à R de U carré ? Alors, alors là, je suis en train de voir plus qu'une manière de faire. Si vous voulez, le E1, c'était 1, 0, 0, n'est-ce pas ? Oui, le E1. Je rappelle ici que le E1, c'était le triplet 1, 0, 0. Si vous voulez, piste 1, c'est que on avait trouvé que, regardez, x, y, z appartient à R de U carré. Tout à l'heure, quand nous étions en train de faire les calculs ici, je suis ici, je suis ici, je suis, et puis je suis arrivé ici, à cette équation-là. X plus y moins z égale à 0. X plus Y moins Z égale à 0. Nous étions arrivés ici. Alors regardez, un triplet appartient à R de U carré, ça veut dire que les coordonnées X, Y, Z, ils vérifient cette équation. D'accord ? Alors, E1, qui est le 1, 0, 0, appartient à R de U carré, ça veut dire qu'il vérifie que 1, 0, 0, il vérifie ça. Et on a... Est-ce que 1, 0, 0 vérifie ça? X c'est 1, Y c'est 0, Z c'est 0. Et on a 1 plus 0 moins 0 égale à quoi? Égale à 1. Ce n'est pas 0. Donc c'est différent de 0. Ce qui fait les composantes 1, 0, 0 ne vérifie pas cette équation. D'accord? Donc, le E1 n'appartient pas à R de U carré, n'appartient pas à R de U carré. D'accord ? Ça, c'est la piste 1. Je vais vous proposer maintenant, si vous voulez, une deuxième manière de faire en exploitant ce qui est ici. D'accord ? Alors, pour la piste 2, regardez, E1 appartient à E1 appartient à R de U carré. Équivaut à quoi? Équivaut E1 appartient à ça. Vec de, je copie-colle, c'est en fait moins 1, 1, 0, ici, 1, 0, 1. D'accord? On a ça, équivaut à ça d'après ceci. Mais E1 appartient à vect. E1 appartient à vect. Ça veut dire que 1 est une combinaison linéaire de ça et de ça. Autrement dit que E1, et puis ce couple-là, et puis ce couple-là, moins 1, 1, 0, et puis 1, 0, 1, cette famille-là que je suis en train de cercler de cerner en noir, ça c'est une, est une famille, comment E1 appartient à ça, ça veut dire que ça c'est une famille liée, parce que E1 est combinaisonnière de ça et ça. Ça veut dire que E1, ce vecteur, il y en a trois vecteurs, ça veut dire que c'est une famille liée. Ça va? Donc ça, si je veux exploiter ceci, donc E1 appartient à R de U carré, ça veut dire E1 appartient à ce vecteur,
C'est-à-dire que E1 est une combinaison linéaire de ça et de ça. Autrement dit, que E1, ce vecteur, les trois vecteurs forment une famille liée. Nous, on nous a demandé de montrer que E1 n'appartient pas. Donc, E1, ainsi, si vous voulez, E1 n'appartient pas à Ker de U carré, équivaut à cette famille-là, E1, est une famille libre. Est une famille libre de l'espace R3. Voilà. Donc, quand on vous a demandé de montrer que E1 n'appartient pas à ça, dans la question, il s'agit juste de montrer que la famille E1, ce vecteur-là et celui-ci, forment une famille libre. Alors, vous n'avez qu'à vérifier que ça ne forme pas une famille libre. Bon, j'estime à ce stade, vous n'avez pas besoin de le faire avec alpha, bêta, gamma, alpha fois E1 plus bêta fois E2 fois Z égale à 0, montrant que alpha égale à 0, bêta égale à 0. Oui, si vous le faites, c'est correct, mais à ce stade de l'année, j'estime que vous êtes devenu un peu mature en algèbre linéaire. Alors, regardez, vous voulez montrer que ça veut dire que cette famille, c'est une base. Ça veut dire que si vous voulez, vous pouvez même exploiter le déterminant. Le déterminant de cette famille E1, moins 1, 1, 0, 1, 0, 1, le déterminant pour une famille libre, à trois éléments, on est en dimension 3, libre, équivaut base, équivaut génératrice, équivaut etc., équivaut vous pouvez faire avec le rang, etc., vous pouvez faire avec le déterminant, il est différent de 0, déterminant bien sûr relativement à n'importe quelle base, nous allons prendre la base canonique, qui est facile pour nous. Nous voulons montrer que E1 n'appartient pas. Si vous arrivez à montrer que ce déterminant est différent de 0, c'est fini. Alors, le déterminant, c'est quoi? Le déterminant, je vais prendre le premier vecteur E1. Le E1, on a dit que c'est 1, 0, donc 1, 0, 0, puis moins 1, 1, 0, et puis c'est 1, 0, 1. Vous voyez, je suis en train de prendre juste les composants de E1 dans la base canonique qui sont le E1, c'était 1, 0, 0, donc 1, 0, 0. Les composants de ça, ce sont moins 1, 1, 0, c'est ce que j'ai mis. 1, 0, 1, c'est 1, 0, 1. Ça différent de 0. Alors, si vous voulez, ça c'est un déterminant qui est comment? Triangulaire supérieur, n'est-ce pas? Triangulaire supérieur. Donc, vous savez que le déterminant, ça va valoir le produit des coefficients diagonaux. Ça veut dire 1 fois 1 fois 1. 1 fois 1 fois 1, différent de 0, ce qui est vrai. 1 différent de 0, c'est vrai. Donc, la famille, c'est une base, et voilà. Passons maintenant à la piste 3. E1 n'appartient pas à Ker de U carré, équivaut U carré de E1, différent de 0. D'accord? Il s'agit de montrer ça. Ça veut dire qu'il s'agit de montrer que U carré, vous savez que U c'est ça, V moins de l'identité au carré de E1, différent de 0, 0, 0. Et puis je passe tout simplement matriciellement. Équivaut la matrice de ça, le tout au carré. C'est quoi la matrice de V moins de I? Matrice de V, c'est A. Donc matrice de tout ça, ça sera A moins 2, l'identité, le tout au carré. La matrice de ça, c'est ça. La matrice de E1, ça sera la colonne 1, 0, 0, différent de la colonne 0, 0, 0. Alors, il s'agit de montrer ça. Alors, A moins 2, l'identité au carré, nous venons d'en parler tout à l'heure, c'était, je vous rappelle ce que nous avions écrit tout à l'heure pour l'expression de A moins 2, l'identité au carré, c'était 0, 0, 2, moins 2, 2 moins 2, plutôt 2, 2 moins 2, et puis 2, 2 moins 2. C'était ce que nous avions trouvé tout à l'heure. Et voilà, si vous appliquez cette matrice et multipliez ça fois ça, c'est quoi ça? Donc, ça va vous donner la colonne 0, 2, 2. Juste faites vos calculs si vous voulez. C'est 0, 2, 2. Il faut que ça soit différent de
Donc ça, c'est un différent, hein, excusez. Différent de 0, 0, 0. Ce qui est vrai. Pour récapituler, si vous voulez, pour montrer que E1 n'appartient pas, ça veut dire U carré de E1 différent, je me suis passé au côté matriciel, j'ai ma matrice, il faut que ça soit différent, ça veut dire que cette colonne différente, ce qui est vrai, c'est terminé. Alors, passons maintenant à la question 5i, qu'est-ce qu'elle dit? On a cette famille B, on a démontré que B est une base de R3. Bien, je rappelle que nous avions vérifié un peu en haut que U puissance 3 égale à 0. Et puis, nous avons tout à l'heure que E1 n'appartient pas à R de U carré. Ça veut dire que U carré de E1 différent de 0. Alors, cette famille E1, U de E1, U carré de E1 est une base. J'estime que vous avez tous rencontré une question pareille. Il est très classique. Hein. Les gens qui n'ont pas fait attention ou qui ont oublié, j'avance et je rappelle ça. Bien. Ça, c'est une base de R3, c'est ce qu'on veut montrer. La famille, on a cardinal de la famille égale à 3, qui est égal à la dimension de l'espace. Alors, pour montrer, il suffit de montrer que B est libre. D'accord? Alors, il suffit de montrer qu'elle est libre. Bien. Pour cela, soit alors, je vais prendre alpha, bêta, gamma, si vous voulez, soit alpha, bêta, gamma appartenant à R. Supposons que alpha fois U carré E1 plus bêta U de E1 plus gamma E1 égale à 0 et montrant que l'escalaire alpha, bêta et gamma ils sont tous nuls. Alors, je vais appeler, si vous voulez, cette égalité oméga, celle-ci. D'accord? Alors, l'astuce, elle est, j'ai dit, hyper classique. Je vais exploiter le fait que U puissance 3 égale à 0. Hein. Donc, je vais composant dans l'égalité oméga par U puissance quoi? De manière, j'espère que vous savez que U3 égale à 0, donc U4 aussi, ça va être égal à 0, et etc. Donc, je vais composer de par quoi? Comme ça, je vais, tout ça va sauter, ça va me rester seulement U carré de E1. Donc, je vais composer par U carré. On aura quoi? Je commence par U carré ici. Donc, U carré de E1. Ici, ça sera U puissance 3 de E1. Ici, ça sera U puissance 4 de E1. On aura, si vous voulez, alpha U puissance 4 de E1 plus bêta U puissance 3 de E1 plus gamma U carré de E1 égale à 0. Mais ça, c'est nul. Hein? Pareil, ça, c'est nul. Hein? Je vous rappelle que car U puissance 3 égale à 0. Donc, U puissance 4 aussi, c'est nul. Donc, ça va vous rester quoi? Ça va vous rester gamma U carré de E1 qui est égal à 0. Mais je rappelle que U carré de E1, c'était non nul. Non nul, donc ça va vous donner que gamma égale à 0. Voilà. Donc, on a trouvé que gamma est nul. Ça reste à justifier que alpha et bêta sont aussi nuls. Donc, je vais refaire le même processus. Donc, gamma, ou plutôt oméga, devient quoi? Avec gamma égale à 0. Donc, je vais me débarrasser de ça. Ça va devenir ce que vous êtes en train de lire. Ça plus ça égale à 0. D'accord? Composons par quoi ici? Par U puissance quoi? Je veux avoir la plus petite, que ça doit être U carré. Hein? U carré de E1. Donc, je vais composer par U. On aura quoi si je compose par U ici? Alpha U3 de E1 plus bêta U carré de E1 égale à 0. Là encore, U puissance 3 égale à 0. C'était déjà dit. D'accord? Ce qui va vous donner que bêta égale à
plutôt ce qui va vous donner que bêta u carré de E1 égale à 0. Mais avec le u carré de E1 qui est non nul, donc ce qui va donner que bêta égale à 0. Donc on a annulé alpha, gamma ici et bêta. Ok, et dans ce cas-là, alors oméga, ça va devenir quoi? Oméga devient quoi? Avec bêta et gamma nul, bêta nul, gamma nul, ça va rester alpha u carré de E1. Alpha u carré de E1 égale à 0. Mais ça encore, je rappelle, c'est nul, ce qui va vous donner que alpha égale à 0. Ainsi, alpha, bêta et gamma sont tous montrés nuls, d'où la liberté de la famille. Et donc, c'est une base, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, ça, c'est hyper classique. Je passe maintenant à la question, suivante. Seulement, je parle d'un petit commentaire, si vous voulez. Vous pouvez ne pas utiliser cette ruse-là pour montrer que c'est une base. Normalement, j'estime que c'est fait. C'est la fin, hein, juste pour qu'on s'entende. Hein. C'est la fin. Juste une petite remarque. Vous pouvez, pour montrer que ça c'est une base, vous pouvez le faire avec le déterminant. D'accord? Vous avez le E1 dans la colonne du déterminant. Pour E1, ça sera 1, 0, 0. Pour U de E1, vous n'avez qu'à trouver la matrice de ça. A moins 2i, multipliez-la par E1, vous allez mettre sa colonne ici. Et puis, U carré de E1, ça veut dire ça, carré. Ça, avec la matrice, ça sera A moins 2i, carré. Nous l'avions déjà trouvé 0, 0, 2, 2, etc. Appliquez-la à E1, vous allez trouver votre première colonne correspondant à ça. Calculez ce déterminant et vous allez trouver qu'il est différent de 0. Du coup, la famille, c'est une base. Hein. Ça, c'est une autre manière de faire, si vous voulez. Bon, on passe maintenant à la question 5 de Z. On a demandé d'exprimer la matrice T de V dans la base B. Bien. Alors, ralentissons. Alors, T, c'est quoi, en fait? C'est la matrice de V, de l'endomorphisme V dans la base B. Ça égale à quoi? On doit remplir son tableau matriciel. D'accord? Très bien. Mais dites-moi, c'est qui la matrice, ou plutôt c'est qui la base B? On a dit que c'était U carré de E1, U de E1 et E1. D'accord. Rappelez-moi, c'était qui V? Vous avez ça. Donc du coup, vous avez que V, c'est quoi? C'est U plus 2 identité de R3. Ça, c'est ça. Bon, nous, qu'est-ce que nous voulons? Alors, regardez, je vais éclaircir un petit peu les choses ici. Alors, en fait, si vous voulez, ici, c'est relativement à la base B. La base B, donc on a ici U carré de E1. Donc je vois que c'est trop serré. Je prends T égale à la matrice de V. Donc c'est trop serré ici. Je vais prendre un peu d'espace pour une meilleure concentration dans V. Donc on a dit, regardez, c'est ça notre propos. On a la base B qui est U carré de E1, U de E1 et E1. Ok? Et nous voulons remplir cette matrice. Ce qui fait, voici les éléments de la base, U carré de E1, U de E1 et E1. Mais nous avons besoin de quoi? Nous avons ici V2, V2 et V2. Alors, ce que je suis en train de vous montrer ici ou ici, ça n'entre pas bien sûr dans le corps à l'intérieur de la matrice qui nous est demandé. Ça, c'est juste pour comprendre. La base, c'est U carré de E1, U de E1, E1. On veut la remplir, c'est la matrice de V. Donc, on a besoin de V de ça, V de ça, V de ça. Ce qui fait, regardez, si je vous dis que dans la première colonne, qu'est-ce que je mettrai? Je mettrai les coordonnées de V de U carré de E1, ce vecteur-là, ces coordonnées dans cette base-là. Ok?
Ce qui fait que j'ai besoin d'exprimer le vecteur V de U carré de E1, de l'exprimer dans cette base-là. Ça, ça et ça. Bon, ok. C'est quoi en fait V de U carré de E1? Dites-moi, c'est quoi ça? C'est ça le premier. V, c'est ce que vous lisez ici. C'est U plus de l'identité. Ce qui fait ça va vous donner, je remplacerai V par U plus 2. Si vous laissez U plus 2, l'identité, le tout de U carré de E1. J'ai rien fait. D'accord? Et puis, ça sera U de U carré. C'est quoi U de U carré? C'est U puissance 3 de E1. Plus de l'identité de ça, ça veut dire plus de U carré de E1. Ça marche? U puissance 3, nous avions déjà montré que U puissance 3, c'est nul. Hein? L'endomorphisme U puissance 3 égale à 0. C'était déjà montré. Donc ça, c'est 0. Donc ça va vous rester quoi ici? Ça va vous rester seulement de... Donc je vais écrire V de U carré de E1. D'accord? Égale à quoi enfin? Égale à 2 U carré de E1. Donc j'ai pu exprimer ce vecteur-là en fonction de U carré de E1, U de E1, E1. Donc c'est juste en fonction du U carré de E1 précis à moi. Ok? Alors qu'est-ce que je vais écrire dans la première colonne ici? Donc V de U carré de E1 égale à quoi fois U carré de E1? C'est 2. Plus quoi fois U de E1? Il n'y a rien, donc c'est 0. Plus quoi fois E1? Il n'y a rien, donc c'est 0. D'accord? Très bien, donc c'est bien. Donc V de U carré égale à 2 fois U carré de E1 plus 0 fois, plus 0 fois. C'est ce que nous avons ici. On va faire de même pour V de U de E1. D'accord? Pour V de U de E1, alors, ça c'est un premier point, ça c'est un deuxième point. Donc V de U de E1 égale à quoi? C'est celui-ci. V c'est toujours U plus de l'identité, donc ça va vous donner U plus de l'identité, le tout de U de E1, d'accord? Ce qui va donner, si je développe U de U, ce sera U carré de E1 plus de U de E1. Ça, c'est exactement V de U de E1. Je l'encadre. C'est fini. Hein. Je peux maintenant remplir cette colonne-là, qui correspond à V de U de E1. V de U de E1, le voici, j'ai pu l'exprimer dans les éléments de la base. D'accord? Alors, V de U1 égale à quoi fois U carré de E1? U carré de 1 fois 1, donc je mettrai ici 1. Plus quoi fois U de E1? Quoi fois U de E1? 2. Plus quoi fois E1? Il n'y en a pas, donc c'est 0. D'accord? Et je prends enfin V de E1. Alors voyons, V de E1, V c'est U plus de l'identité, le tout de E1, et puis je développe, d'accord, ça va me donner quoi? U de E1 plus de E1. Alors voyons, V de E1 égale à ça, je l'encadre. Donc regardez que j'ai pu ainsi exprimer V de E1, qui est celui-ci, dans la base U carré de E1, U de E1, E1. Alors, remplissons sa colonne. V de E1 égale à quoi fois U carré de E1? Il n'y en a pas. Donc ça, c'est un 0. Plus quoi fois U de E1? Quoi fois U de E1? Donc c'est un 1. Plus quoi fois E1? Quoi fois E1? Donc c'est un 2. Donc je mettrai ici 2. Alors, maintenant c'est fini pour cette petite question. On a pu exprimer la matrice T, qui est la matrice de V dans la base B. On l'a pu exprimer tout simplement, c'est ce que ce bloc matriciel. Entre parenthèses, vous pouvez absolument effacer ça et ça, mais ça nous aide à comprendre, je le laisse. Alors ici, nous allons passer à la question 5-3. On a demandé d'exprimer A en fonction de T. Alors, si vous regardez là, le A, c'était quoi? C'était quoi A? C'était la matrice de l'endomorphisme V dans la base
canonique BC. Quand on rêve doucement, c'était quoi T qu'on vient d'avoir? T, c'était la matrice du même endomorphisme V dans la base B qu'on avait eu tout à l'heure. On a demandé d'exprimer A en fonction de T. J'estime que tous les élèves ont déjà vu mentalement ça. La matrice de V, dans une base, dans une autre base. Vous savez c'est quoi la relation qui lie ça avec ça? D'accord? Alors qu'est-ce que vous avez? C'est quoi la relation qui lie? Donc vous avez la matrice de V dans la base canonique est égale matrice de V dans la base B. Ici, ce sera matrice de passage. Matrice de passage. Passage de quoi à quoi? Matrice de passage de la base canonique à la base B. Canonique à la base B. Ici, ça sera le contraire. B, base canonique. Ce qui fait, je vais... C'est quoi la matrice de V dans la base canonique? On a dit que c'est A. Donc, A égale A. Matrice de V dans la base B, c'est T. Ici, je vais appeler ça P. Et ici, ça va être son inverse, P moins 1. Ou P, c'est qui? C'est la matrice de passage de la base canonique à B. Maintenant, c'est ça l'expression de A en fonction de T. A égale à P, T, P moins 1. Avec P, c'est la matrice de passage de la base canonique à la base B. Seulement, il faut que vous trouviez quand même P égale à quoi? Sous forme de bloc matriciel. D'accord? C'est facile, vous avez que P, c'est quoi P? C'est la matrice de passage de la base canonique à la base B, ça veut dire que c'est la matrice de B dans la base canonique. D'accord? C'est la matrice de B dans la base canonique. B, c'était quoi? B, c'était U carré de E1, U de E1, E1. D'accord? Alors, c'est ce que nous avons. Donc, nous allons juste remplir le bloc matriciel comment? La première colonne, ça va être pour les coordonnées de U carré de E1 dans la base canonique. La deuxième colonne, pour les coordonnées de U de E1 dans la base canonique. Et la troisième, ça sera pour les coordonnées de E1 dans la base canonique. Alors, vous savez que la base canonique, c'est quoi? C'est E1, E2, E3. Déjà, le E1 qui est 1, 0, 0. 1, 0, 0, oui. C'est quoi ces coordonnées? Donc, je peux régler la dernière colonne. Ça va être 1, 0, 0. Donc, la dernière colonne ici, il y aura quoi? Ces coordonnées dans la base canonique, ce sont 1, 0, 0. D'accord? Maintenant, je vais voir ça va être quoi dans cette deuxième colonne et ça va être quoi dans cette première colonne. Bien. Alors, U de E1. C'est quoi U de E1? U, vous voyez que U c'est V moins de l'identité. Alors, pour avoir U de 1, dites-moi, c'est quoi la matrice de U de E1 dans la base canonique? C'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? La matrice de U de E1 dans la base canonique, c'est celle qui est composée par les coordonnées de U de E1 dans la base canonique. Cette matrice colonne, c'est elle que nous allons écrire ici. D'accord? Donc, c'est quoi celle-ci? Ça sera la matrice de U fois la matrice de E1. La matrice de E1, c'est la colonne 1, 0, 0. Et la matrice de U, c'est quoi dans la base canonique? C'est la matrice de V moins 2I. Matrice de V, c'était A. Donc, ça sera A moins 2I. A moins 2I, c'est quoi? Vous allez retrancher, c'est 3 moins 2, c'est 1, c'était déjà dit. 1 moins 2, c'est 1. 1 moins 2, c'est moins 1. Et puis, 2 moins 2, c'est 0. Je vais avoir ici 1, 2. Ça va? Donc 3, je vois qu'il n'y a pas d'erreur. 3 moins 2, c'est 1, etc. Etc. Je n'ai pas besoin de ces coefficients-là. Parce que moi, je veux appliquer à 1, 0, 0. Si vous appliquez à 1, 0, 0, vous allez trouver juste la première colonne qui va figurer. Hein. Donc ça va être juste la colonne 1, 1, 2. Vous n'avez qu'à faire vos calculs. Hein. Ça fois 1, donc ça va vous donner 1, ça c'est
ça va vous donner juste la première colonne. 1, 1, 2. Donc, la première colonne, donc matrice de U de E1, dans la base canonique, ça va être 1, 1, 2. Parce qu'on a ici 1, 0, 0, 1. Bon, donc 1, 1, 2. D'accord. Et je ferai de même pour matrice de U carré de E1. Alors, pour U carré de E1, donc matrice de U carré de 1, ça sera de la même ici, avec un carré. D'accord. Et la matrice qui va s'appliquer à 1, 0, 0, A moins 2i au carré, nous l'avions déjà calculé, si c'était un 0, 0, 0, oui. 0, 0, 0. Je sais que cette colonne ici, celle-ci, la deuxième, troisième, je n'en ai pas besoin, mais je vais les écrire. Hein. Comme ça, vous serez convaincu que ce n'est pas nécessaire. 2, 2, moins 2. Et puis 2, 2, moins 2 encore. Donc, si vous appliquez, si vous multipliez cette matrice avec celle-ci, ça va vous donner quoi? Moi, je viens de vous dire, c'est juste la première colonne parce que nous avons 1, 0, 0, 1. C'est juste la première colonne. 0, 2, 2 que nous allons placer directement ici, c'est terminé. Mais si vous voulez faire vos calculs, cette ligne avec cette ligne, c'est quoi? C'est 0, 0, 0, 0, donc c'est 0. 2, 2, moins 2 avec 1, 0, 0. 2 fois 1, c'est 2. 0, 0, donc ça va rester 2. Cette ligne avec cette colonne, 2 fois 1, c'est 2. 2 fois 0, c'est 0. Moins 2 fois 0, c'est 0, donc ça va rester 2. Hein. Et c'est exactement cette première colonne. Hein. C'est ce que je viens de vous dire. Bon, de toute façon, matrice de U carré de E1, dans la base canonique, c'est la colonne 0, 2, 2. C'est ce que j'écrirai ici. Hein. Alors, pour récapituler, fin de la question, fin de l'exercice. On a A égale à P, TP moins 1, avec P, cette matrice de passage qu'on a pu remplir sous forme de bloc matriciel. Voilà, j'espère que vous avez bien profité de cet extrait de concours pour les élèves, bien sûr, de la première année. Je vous remercie, je vous souhaite bon courage. Voilà, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.